À Chamonix, en moins d'un siècle, on a déjà pris plus de 2 degrés. Quand on regarde ces 2 degrés et qu'on imagine que d'ici la fin du siècle, à Chamonix, on aura plus 6, plus 8 degrés, voire même peut-être encore plus, on a du mal à imaginer ce que sera l'état de la haute montagne à cette époque-là. Mon travail de géomorphologue, c'est de mieux comprendre les processus qui se développent en montagne, au niveau des glaciers comme au niveau des parois rocheuses, de manière à gérer les risques, puisque ce réchauffement climatique, malheureusement, il impacte la haute montagne en la rendant souvent plus dangereuse. Et donc mon travail, c'est effectivement de mieux comprendre ces processus pour ensuite pouvoir les anticiper et s'adapter. Les habitants de la montagne, les professionnels de la montagne, depuis des siècles, font face à l'adversité, font face au changement et ont appris en fait à s'adapter et à gérer ce changement. Et donc ils ont développé des savoir-faire, ils ont développé des modèles qui sont assez uniques, et finalement on s'aperçoit que la passerelle vers le monde de l'entreprise, elle est évidente. I think if these are some of our future leaders in the business world, I personally would like to see the idea of sustainability and action incorporated into business. So if we can create these new business leaders with an awareness of the environment and sustainability, then we're going to live in a better planet. And then all the rocks here, this is the moraine. So the glacier pushes down. Notre constat chez Mountain Pass, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont soit pas encore pris conscience de cet impact du changement climatique, soit n'ont pas encore agi dessus. Donc, quand nous emmenons des entreprises ici en montagne, le but c'est de les confronter à ce changement climatique, à ces impacts du changement climatique, de les faire rencontrer ces experts, ces glaciologues, c'est de faire prendre conscience au niveau humain, au niveau individuel des impacts, mais également de pousser à l'action au niveau de l'entreprise. La haute montagne, par la présence de glaciers, par la présence de permafrost, ce sont les milieux physiques qui réagissent le plus rapidement au réchauffement climatique. Et dès lors, visiter la haute montagne, fréquenter la haute montagne, c'est clairement le moyen de prendre conscience non seulement des enjeux associés au climat, mais de voir qu'on est quand même capable de faire quelque chose, puisque la crise et la catastrophe, on y va. Par contre, le curseur du degré de catastrophe, il peut encore être modifié.